Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1303e épisode de l'After Zapimage. On va débuter avec le programme de la semaine en Champions League. Début des demi-finales, ce soir Manchester City reçoit le Real Madrid et puis demain Liverpool recevra Villarreal. Quelques déclarations autour de cette rencontre entre City et le Real. Premièrement du côté madrilène, Carlo Ancelotti en conférence de presse hier qui nous dit « Ce n'est pas une réussite d'atteindre la demi-finale au Real Madrid, la réussite sera d'atteindre la finale ». Donc voilà, le discours est très clair, hein, l'objectif madrilène est fixé, la demi-finale c'est bien, mais le réel objectif hein, et le réel accomplissement pour les merengues, ça sera la finale. Carlo Ancelotti qui poursuit avec « L'aspect défensif aura un rôle très important dans le match face à City. Quand City est en possession du ballon, eh bien vous ne pouvez pas simplement les regarder. Vous devez récupérer le ballon, soit avec un pressing haut, moyen ou alors un bloc bas et ensuite profiter des opportunités. » Guardiola du côté Citizens qui salue le Real Madrid et qui me dit « C'est un honneur pour moi que City se retrouve à ce stade de la compétition face à une équipe comme le Real Madrid qui a écrit l'histoire de la Champions League. On est conscient de ne pas pouvoir rivaliser sur ce plan-là, car on n'aurait aucune chance de tenir la comparaison avec le Real. Mais notre volonté est de les défier, de rivaliser avec eux. On n'en est pas une équipe moins forte. » Voilà les mots de Guardiola. Pour rappel, les amis, les deux équipes se sont affrontées il y a 2 ans lors de l'édition 2020 et City avait éliminé le Real Madrid. Bon, c'était un petit peu plus tôt dans la compétition. Déclaration de Fede Valverde qui nous dit « Perdre d'ailleurs contre City en 2020, eh bien c'est évidemment une grande équipe. Ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années et cela déclenche une très grande dynamique. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, les tâches qu'ils doivent accomplir, les mouvements après avoir perdu le ballon. » Pep Guardiola qui nous dit aussi « C'est le plus grand apprentissage pour nous. Il y a des actions qui me surprennent parce que le ballon ne leur brûle pas les pieds. C'est leur vertu. » Voilà la déclaration de Pep Guardiola avec un Real Madrid qui est capable vraiment cette saison hein, de s'adapter, qui est capable voilà, d'être en grande difficulté sur certaines rencontres et de piquer aussi au meilleur des moments. Ça annonce vraiment une superbe soirée. On a deux déclats aussi de Raheem Sterling côté Sky Blues. Raheem Sterling déjà qui nous parle de Karim Benzema, très élogieux envers KBNOV. Il nous dit « Karim est un joueur de haut niveau. Il a joué à un top niveau pendant si longtemps. C'est un professionnel incroyable. » Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Raheem Sterling, en conférence de presse hier, il a été aussi questionné par rapport à son avenir du côté de Manchester City. Est-ce qu'il sera toujours Citizens la saison prochaine? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il nous dit « Mon avenir, eh bien, en ce moment, je suis content de jouer, de contribuer au succès de l'équipe. C'est la chose la plus importante. Ça serait égoïste de parler de toute situation contractuelle. » Il y a eu déjà pas mal de rumeurs hein, depuis quelques mois maintenant autour de l'avenir de Raheem Sterling qui pourrait quitter City l'été prochain. Autre information d'ailleurs aussi côté Citizens, ça concerne Riyad Mahrez, l'international algérien qui a encore 1 an de contrat avec les Sky Blues. Riyad Mahrez, il est suivi notamment par le Paris Saint-Germain et depuis hier, et Foot Mercato l'a confirmé, il y a l'intérêt d'un club italien, l'AC Milan, qui envisage de recruter Riyad Mahrez cet été. Il va y avoir normalement un fonds d'investissement qui devrait arriver du côté de Milan, un fonds d'investissement du Bahreïn. Et pour Riyad Mahrez, il pourrait devenir hein, l'une des têtes du nouveau projet milanais avec ce nouveau fonds d'investissement. Donc affaire à suivre. Il y a d'autres grandes écuries européennes hein, évidemment qui suivent aussi attentivement la situation de Riyad Mahrez, encore 1 an avec les Sky Blues. Voilà, pour le moment il y a des discussions qui tardent un petit peu autour de la prolongation de contrat. On enchaîne les amis du côté de la France, on va faire un petit passage par la Ligue 2 pour féliciter le TFC Toulouse de retour en Ligue 1. Le TFC promu donc après une nouvelle victoire hier 2-0 face à Niort au Stadium. Toulouse qui aura donc passé 2 saisons en Ligue 2 et puis cette année ça a été exceptionnel pour les hommes de Philippe Montagnier. On va regarder quelques stats
Dans quelques instants, le titre de champion est pas très loin d'ailleurs aussi pour Toulouse. La montée est assurée et le titre, bon, ça va se faire hein, vraisemblablement pour Toulouse sur les dernières journées. Belle image hein, au stadium. Hier déjà, il y avait quasiment 25 000 spectateurs et puis un envahissement de terrain à l'issue de cette rencontre et du coup de sifflet final. Ça a été vraiment une superbe année pour les Toulousains en Ligue 2 avec notamment pour le moment 76 points pour le TFC en Ligue 2. C'est évidemment quasiment un record puisqu'il n'y a qu'une seule équipe qui a fait mieux dans l'histoire du championnat. C'était Reims il y a 5 ans, les Rémois qui avaient pris 84 points. En ce qui concerne l'attaque, Toulouse a été prolifique et vraiment très agréable à voir cette saison. Ils ont marqué énormément, les Toulousains, 80 buts inscrits alors que la saison n'est même pas terminée. C'est déjà aussi un record, vraiment une très belle équipe à suivre, le TFC avec des joueurs de qualité. Il y a eu quelques jolis coups réalisés sur les 2-3 précédents mercato côté toulousain, des petites pioches à l'étranger qui ont été vraiment très intéressantes sur le terrain. Toulouse qui n'a aussi été battu que 3 fois cette saison en Ligue 2. C'est le plus petit total pour un club depuis 33 ans, donc vraiment une saison plus que réussi pour les violets. Quelques stats d'ailleurs hein, sur des joueurs importants cette saison côté toulousain. Branko van den Boomen, 12 buts, 21 passes décisives, impliqué sur 33 buts en 34 matchs avec le TFC. Il a délivré donc 21 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Il égale le record pour un joueur sur une même saison dans le top 5 européen et ses deuxièmes divisions. Depuis qu'Opta analyse toutes ces données, ce record il était détenu jusqu'ici par Thomas Müller en 2019-2020 et Lionel Messi. Branko van den Boomen vient d'égaler ce record. Alors certes, c'est en Ligue 2, mais c'est un record tout de même assez hallucinant. 21 passes décisives pour Branko van den Boomen. Très grosse saison aussi pour l'attaquant gallois Rhys Ealy. 31 matchs, 20 buts et 4 passes décisives. Voilà deux hommes hein, qui ont vraiment contribué au succès toulousain cette saison. Il y en a aussi beaucoup d'autres. On espère que le TFC aura la même philosophie de jeu l'année prochaine en Ligue 1. On continue, les amis, d'ailleurs, du côté de la Ligue 1. Petite information à Saint-Etienne, il y a eu un match qui a été interrompu le week-end dernier face à l'AS Monaco, alors que les Monégasques au final se sont imposés 4 buts à 1. Match interrompu parce qu'il y a eu des fumigènes en tribune et des feux d'artifice. Je crois qu'il n'y a pas eu, il y a vraiment pas eu de fumigènes qui ont atterri sur la pelouse. En tout cas, il y avait pas mal de fumée. Le match a été interrompu. Saint-Etienne, malheureusement, devra jouer son dernier match à domicile à huis clos. Et c'est bien dommage hein, pour les Verts qui n'auront pas l'appui de leur public dans cette course au maintien sur le dernier match à Geoffroy Guichard. Du côté de Paris, maintenant, information qui concerne Lionel Messi. Tous les médias européens sont unanimes. Léo va rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. Déjà, il est sous contrat avec le club. Voilà, plusieurs médias annonçaient peut-être une envie de Lionel Messi de quitter la capitale. Ça ne se fera pas. Lionel Messi sera encore parisien la saison prochaine. Gigi Donnarumma qui réagit aussi hein, par rapport notamment aux déclarations de Keylor Navas. Gigi Donnarumma qui lui aussi met la pression sur les dirigeants parisiens. Ça confirme tout ce que l'on dit depuis une semaine. Il y a un des deux gardiens qui quittera le club. Ça sera vraisemblablement Keylor Navas. Gigi Donnarumma qui nous dit: avec Navas, j'ai un excellent rapport. Mais comme il l'a aussi dit, cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. Les choses doivent sûrement changer. Voilà les mots de Gigi Donnarumma. Une petite information qui concerne Kylian Mbappé qui a reçu une voix lors de l'élection présidentielle et du second tour de dimanche. Il a obtenu une voix aux Ulysses, tout comme d'ailleurs Zinedine Zidane. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne Angel Di Maria qui va quitter le club à l'issue de la saison. Fin de contrat pour Di Maria, il ne sera pas prolongé, à moins peut-être d'un miracle sur les dernières semaines. La Juve est déjà entrée en contact avec les représentants d'Angel Di Maria et il y a même déjà une proposition de contrat pour Di Maria. Contrat de 1 an côté turinois. D'ailleurs, la Juve s'est imposée hier 2-1 du côté de Sassuolo
Paulo Dybala, juste avant la mi-temps. Moïse Keane en toute fin de rencontre, 88e minute. C'est Giacomo Raspadori qui avait ouvert le score à la 40e pour Sassuolo, qui méritait largement mieux sur cette rencontre, tant les Verts ont dominé cette rencontre face à la Juve, très efficace hier. La Juve qui a quasiment assuré sa place en Champions League pour la saison prochaine. L'écart de points est conséquent par rapport notamment à la Roma qui est juste derrière. Une petite info qui concerne une légende de la Juventus et une légende de la Squadra Azzurra italienne, Giorgio Chiellini, qui va terminer sa carrière avec la sélection italienne dans quelques semaines. Il jouera son dernier match à Wembley face à l'Argentine lors de cette rencontre entre le champion sud-américain et le champion d'Europe. Il pourrait potentiellement aussi quitter la Juventus gratuitement cet été pour rejoindre la Major League Soccer. D'ailleurs, du côté de la Major League Soccer, on a une déclaration de Gonzalo Higuain, ancien joueur aussi de la Juventus, qui nous parle du niveau du championnat américain et qui a été vraiment très très surpris par le niveau américain. Il nous dit: j'ai pensé venir ici jouer avec une cigarette dans la bouche, mais en réalité c'est très dur, c'est un championnat qui est très difficile. Voilà les mots de Gonzalo Higuain. Peut-être que certains pensent qu'ils vont aller là-bas en pré-retraite. Voilà, ça se passe pas comme ça. Le championnat américain a quand même énormément progressé depuis de nombreuses années. On enchaîne les amis du côté de Barcelone. Plusieurs informations du côté Blaugrana. Sergi Roberto qui a accepté de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. En ce qui concerne Sergino Dest, il est blessé au niveau de l'ischio-jambier droit. C'est une probable fin de saison pour le latéral américain. Jordi Cruyff, dirigeant du Barça, qui nous parle de Frenkie de Jong. On sait que Manchester United est très intéressé par Frenkie de Jong. Du côté barcelonais, pour le moment, on n'envisage pas vraiment un départ de Frenkie de Jong. Il nous dit: nous n'allons pas vendre Frankie, c'est un joueur très apprécié au sein du club et c'est un joueur sur lequel Xavi compte énormément pour le futur. Après, évidemment, les amis, si Manchester arrive avec un chèque énorme, ça peut peut-être faire changer d'avis les dirigeants barcelonais. Une info qui concerne Ansu Fati qui pourrait faire son retour ce week-end pour le Barça. Match face à Mallorca, on espère que ça sera peut-être la bonne pour le retour d'Ansu Fati sur les terrains. On continue aussi avec plusieurs probabilités du célèbre journaliste Gérard Romero qui suit l'actualité du club barcelonais et qui nous donne des pourcentages de chances sur le départ de certains joueurs du Barça. En ce qui concerne Samuel Umtiti, 100% de chance qu'il quitte le club cet été. Peut-être en prêt, mais en tout cas Samuel Umtiti quittera le club. Clément Lenglet, 80% de chance. Memphis, 80%. Busquets, Piqué, Alba, Araujo et Gavi n'ont aucune chance de quitter le club. Du côté du Real Madrid, on en a parlé sur la chaîne Robinho Real Madrid hier, il y a un accord verbal entre Antonio Rüdiger et le Real pour une arrivée du défenseur international allemand cet été, une arrivée gratuite pour le joueur qui sera libre de tout contrat avec les Blues de Chelsea. Un gros renfort à prévoir donc dans l'arrière-garde merengue. Et on va terminer les amis avec deux petites information du côté du Portugal. Premièrement, en Liga NOS, Porto qui est battu hier du côté de Braga. C'est un véritable événement. Le FC Porto n'avait plus été battu en championnat depuis le 30 octobre 2020. Ça faisait 58 rencontres consécutives en championnat que Porto n'avait plus été battu. Défaite 1-0 hier du côté de Braga. Bon, ça retarde un tout petit peu le titre de champion du Portugal pour le FC Porto. Et on termine avec cette information qui concerne le Benfica Lisbonne qui vient de remporter hier la Youth League 6-0 aux dépens du RB Salzbourg. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent et qui le veulent, vous pouvez retrouver un petit débrief de la rencontre City-Real Madrid ce soir sur la chaîne Robinho Real Madrid. Les amis, je vous laisse. Et puis, ben, je vous dis à demain ou à ce soir pour ceux qui le veulent. Ciao !